Et bonjour à tous les amis, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, je vais jouer à un jeu qui ressemble drôlement à Brookhaven, mais en mieux, je vous jure que ce jeu les amis, il est juste génial. Et en plus, ce jeu propose beaucoup de mises à jour, donc il fait beaucoup de mises à jour que Brookhaven. Brookhaven, c'est exactement le même jeu. En fait, ils ont repris la même base que Brookhaven, sauf qu'ils l'ont fait en mieux les amis, regardez les détails et tout, je trouve que ce jeu est beaucoup plus joli esthétiquement que Brookhaven. Brookhaven à côté, on va pas se cacher, c'est les finitions, tout ça sont pas pareils que ce jeu. Donc je vais vous faire voir, je vais vous faire découvrir le jeu plus en détail dans cette vidéo les amis. Donc nous allons commencer à regarder toutes les maisons qu'il y a dans le jeu les amis, il y en a beaucoup. Je vais vous faire voir, voilà. Vous cliquez d'abord sur le panneau, voilà, et là vous avez toutes les maisons les amis. Toutes ces maisons là, je ne les avais pas vues la dernière fois que j'ai joué. Ils mettent beaucoup de maisons disponibles dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de VIP. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas beaucoup de Robux, vous voyez, il peut avoir à peu près toutes les maisons sauf celle-ci qui est VIP. Enfin, il y en a quelques-unes, pas que celle-là. Mais il y en a beaucoup. Alors, il y a aussi des maisons qui font penser beaucoup à des dessins animés. Comme celle-ci, je sais plus c'est quoi le nom du dessin animé. Mais ils font penser beaucoup à des dessins animés. Là, il y a des caravanes, il y a de tout, les amis. Là, il y a des VIP, mais il n'y a pas beaucoup de VIP. 1, 2, 3, il y en a une au-dessus. Il y en a, voilà, il n'y en a pas beaucoup, ça va encore. Là, il y en a plus en bas, mais franchement, il y a plus de maisons gratuites que de VIP, les amis. Franchement, ça va. Et tout ce qui est véhicule, les amis, c'est ça. Vous avez ça, ça. Franchement, les voitures là-dedans, elles sont trop, trop belles. Ils sont aussi très réussis dans ce jeu, mieux que Brookhaven, encore une fois. Mais je trouve que ce jeu, il est magnifique esthétiquement, tout ça. Et du coup, là, bah, vous avez plein de véhicules. Ok, vous n'avez pas autant de véhicules que dans Brookhaven, mais quand même, il y en a pas mal. Vous voyez, attends, c'est super, quoi. Et nous, nous allons prendre cette voiture, les amis. Voilà, nous allons prendre cette voiture. Ah, donc, voilà. Nous allons nous rendre alors là je sais plus c'est comment ça s'appelle au métro, voilà les amis, je cherchais le mot. Nous allons nous y rendre au métro. Nous allons prendre notre petit ticket car oui, dans ce jeu les amis, vous avez plusieurs de stations de métro, comme le métro qui vient d'arriver tout juste. Donc je me dépêche pour le prendre, voilà. Et donc oui, vous avez des métros que il n'y a pas dans Brookhaven. Dans Brookhaven, je trouve certes que Brookhaven est arrivé avant ce jeu-là, mais ce jeu-là, il est beaucoup plus joli esthétiquement. Encore une fois, je vous dis, mais il est beaucoup plus joli, les amis. Vous avez beaucoup plus de détails, tout ça. Mais voilà quoi les amis. Donc voilà. Mais dans Brookhaven, il devrait ajouter tout ça. Mais je pense que Brookhaven, là, c'est foutu quoi. Je préfère largement ce jeu-là que Brookhaven. Et donc voilà. Mais donc voilà. Et aussi la ville. La ville aussi, encore une fois les amis. La ville est vraiment, vraiment plus jolie. En plus, vous avez des hélicoptères, pas des avions, mais des hélicoptères. Vous avez de tout, en fait. Vous avez plus de bâtiments, sortes de bâtiments et tout, que Brookhaven, c'est souvent la même chose. Dans Brookhaven, je suis même pas sûr qu'il y a une grande roue, comme on voit tout au bout de la carte. Je suis même pas sûr qu'il y a ça. Il n'y a même pas de foire, il n'y a rien du tout. Et il n'y a même pas de pompe à essence, il n'y a pas tout ça les amis. Ce jeu là est vraiment plus joli. Donc voilà les amis. Et vous avez même des gros robots aussi. Vous savez,
où on voit souvent dans les films et tout, là où il y a des personnes qui les commandent et tout. Et ben là, vous avez aussi des robots, que Brookhaven, il n'y a pas de robots. Ah, il y a des pistes de danse, mais Brookhaven, si, il y a une piste de danse. En fait, non, je suis pas sûr. Vous voyez, il y a aussi des montgolfières. Regardez, il y a une montgolfière. Il y a de tout dans ce jeu-là, les amis. Vous avez de tout, mais vraiment de tout. Voilà, là, je l'ai activé. Et là, je peux avancer et tout. Ce jeu, il est juste génial. Il est fait pour vous, les amis. Donc, je vous le conseille fortement. D'ailleurs, je vais mettre le jeu en barre d'infos si vous souhaitez le tester vous-même. Voilà. Si vous souhaitez le tester. Et donc, merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu. Enfin, voilà, vous connaissez l'histoire. Enfin, vous connaissez voilà tout ce que les youtubeurs disent, de mettre un pouce bleu, tout ça. Mais je préfère vous le dire, car il y en a qui s'abonnent pas, j'ai remarqué. Donc ça serait bien de vous abonner. Après, je n'oblige en rien de vous abonner. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous abonner à ma chaîne. Mais bon, je vous le dis quand même pour éviter d'oublier, hein. On ne sait jamais. Donc c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. C'était Davy. Ciao. Ciao, ciao.